Je suis Kanté Adama, j'ai 23 ans. Je suis promoteur de CNA Invest, qui est une société d'investissement. Voilà, aujourd'hui, nous cumulons 8 années d'expérience dans le monde agricole. Donc, notre entreprise CNA Invest est une société d'investissement qui évolue dans l'agro-business. Voilà, nous sommes dans la production, la transformation et la distribution des produits agroalimentaires. Et tout récemment, nous nous sommes orientés vers des activités dites immobilières. Donc, nous travaillons essentiellement avec la diaspora qui investissent des capitaux au sein de notre entreprise qui nous permet à pouvoir financer plusieurs portefeuilles d'activités au sein de CNA Invest. Ce qui m'a poussé à monter ce projet-là, lorsque j'avais 14-15 ans, je devrais aller à l'université. Donc mes parents n'ayant pas assez de moyens soutenus en son temps, donc nous étions dans une zone rurale. Et dans cette zone rurale, c'est l'agriculture qui était développée. Et moi, je voyais d'autres enfants qui partaient dans les champs, travailler journalièrement. Et moi, il y a un établissement qui est passé dans notre école pour nous parler d'orientation universitaire. Et moi, j'ai remarqué la polyvalence des étudiants qui animaient les différents panels d'échange. Et je me suis dit, après le bac, j'irai dans cet établissement-là. C'est dès lors que l'idée m'est venue de pouvoir aller travailler chez des producteurs, donc constituer un capital de 10 000 francs CFA, négocier une petite surface avec ces mêmes producteurs. J'ai acheté une daba, une arrosoir, quelques pépinières de semences et voilà, je me suis lancé. Aujourd'hui, une fierté que fait notre entreprise, c'est que nous employons plus d'un effectif de 100 personnes de manière plus permanente au sein de CNA Invest. Et de par notre entreprise, il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent à voir le modèle que nous transmettons à travers l'énergie positive que nous transmettons à la jeunesse africaine, pas seulement malienne, donc qui leur permettent à eux d'aussi entreprendre leurs projets respectifs. Ça nous rassure, ça montre un potentiel quand même qui rassure encore que la jeunesse africaine peut encore se démarquer. Je me définis par la détermination, la positivité et surtout ne jamais abandonner. Voilà. J'ai reçu le prix d'excellence Jeunesse et Action au Forum international de Bamako et je figure également cette année parmi les 30 personnalités jeunes de l'Afrique, voilà, par le magazine Forbes Afrique. Le conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs, tout d'abord, c'est d'être passionné par le secteur d'activité dans lequel ils vont entreprendre. C'est aussi avoir cette détermination, cette positivité et surtout ne jamais abandonner face aux difficultés, face aux obstacles, parce que ces difficultés, ces obstacles nous permettent à nous construire, nous permet à avoir de l'expérience. Donc je pense qu'il faudra en faire face et être aussi des jeunes modèles qui pourront impacter la génération à venir. Orange.